Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Alors c'est là, ouais, une plage normale, quoi. Qu'allons-nous faire maintenant, amigo? Mais c'est quoi ça? Tout ce qui est surnaturel, c'est pas vraiment mon truc, quoi. C'est donc le passage dimensionnel qui relie les deux mondes? C'est la mulet Astra, je n'étais pas certain. Wow. Mon corps a été comme scindé en deux. Quelle drôle de sensation. Alors nous voilà dans l'autre monde. J'ai encore du mal à y croire. On va aller voir si quelqu'un va nous dire bonjour. Ah bien, vous êtes à Arnie. Qu'est-ce qui vous amène dans notre paisible village côtier? Ah, c'est toi, Caribou. Si tu t'aventures à l'extérieur du village, ne va surtout pas fouiner à l'est près du marais des Lydres. Je ne voudrais pas que tu tombes sur ces horribles nains, ou pire encore, sur Hydre. Et pourquoi tu ne vas pas parler au chef du village avant de partir? Sa maison est juste derrière le passage voûté là-bas. Est-ce que tu vends des objets, toi? J'ai des superbes éléments pour toi, Caribou. Montre-moi tes... Non, pas tes éléments. Ah oui, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment tombée par terre, cette danseuse, Mickey. Il y en a beaucoup des danseuses à Tomina, mais aucune, je dis bien aucune, ne lui va à la cheville. En fait, je dois avouer que je n'ai jamais vu Mickey danser. Comment j'aimerais la voir bouger de partout, enfin, je veux dire bouger partout sur scène.
Tel caribou, tu veux connaître la vérité sur le monde? La folie mène à la confusion, puis à l'abandon. L'effort vain du sang, c'est ce qui n'en a pas. Une larme unique rouge sans perles dans le grand océan. L'écho de cette étoile seule résonne dans le vide vaste. L'un seul, le moins que je puisse faire, c'est d'envoyer mes distantes prières par-dessus le souffle du temps, naviguer sur les rêves et les vents. Ouais. Alors, tu as aimé Caribou? Tu as trouvé ça émouvant? J'ai toujours rêvé de devenir une poète. Je veux parcourir le monde et me faire un nom grâce à ma plume. Ouais. Regarde-moi, je suis coincé dans ce petit village. Au milieu de nulle part, saveuse dans le bouboué. Elle t'a dit quoi sur mon restaurant, là? Si t'es pas content, tu sais où est la porte. Mais, je plaisantais, c'était pour rire. Je disais justement à quel point je devrais travailler ici. Caribou, t'as été voir ce que la voix du sort avait dit aujourd'hui, quoi. C'est la pierre verte triangulaire qui enregistre les activités quotidiennes pour toi. Il paraît qu'elle se souvient du passé, mais en plus, elle peut prédire le futur, quoi. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Caribou a trouvé un os d'éclat. Et Caribou, t'as entendu parler de la bande de voleurs qui a servi sur le continent? Il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Ouais, tout le monde les connaît aujourd'hui. Je crois qu'ils se font appeler les Radical Dreamers. Ils se la jouent si tu veux, mon avis. Ils ne valent pas mieux que le vulgaire assassin. Il y a tellement de tarés dans le monde de nos jours, ça doit être l'époque qui veut ça. Hé Caribou, tu sais ce qui me plaît vraiment aux filles du village en ce moment, les colliers en écailles de Komodo, tu sais, ces monstres qui crachent du feu. J'aimerais bien en offrir un Kiki, mais je n'arrive jamais à battre une de ces bêtes. Oh non, si tu m'aides pas tout de suite, Kiki va préférer Lolo à moi. C'est fichu! Elle n'est pas mignonne, ma Célinette. Papa l'a trouvée au Rock et au Lézard. Il y a plein de bébés Komodo qui jouent là-bas, comme si c'était leur salle de jeu. Tu sais quoi, Caribou? Tu répètes à personne ce que je vais te dire, d'accord? C'est un secret. Le loup m'a dit qu'il allait récupérer des écailles pour moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Bonjour, Caribou. On dit que les écailles de Komodo, et la cote auprès des jeunes ces temps-ci. Toi aussi, tu en cherches pourquoi? Pour en faire un de ces petits colis ridicules? C'est ça. Bien dit, Caribou, tu parles comme un vieux loup de mer, toi. Ce n'est pas pour rien qu'on me considère comme l'expert du Komodo. Laisse-moi te donner quelques tuyaux. Nettoie bien tes oreilles, écoute-moi avec attention, Caribou. Tout ce qui va suivre est strictement confidentiel. Si tu veux un piège, hein, tu vas devoir faire rouler un rocher. Étudie bien le terrain si tu veux en prendre un par surprise. Il y a toujours un qui aime jouer à chat. Tu vas devoir courir vite. Méfie-toi, des créatures sont extrêmement prudentes et se déplacent à une vitesse phénoménale. Pour leur faire face, tu devrais faire preuve de stratégie, courage et ténacité. Tu dois le lancer aussi vite que possible et fais-les comme un vent. Dépasse-les. Tous blêmes. Mais en fait, il est inutile d'aller plus vite qu'eux. Dans tous les caminos, tout est une question d'instinct. Donc une fois que tu auras rattrapé, hein, il faudra te battre, t'auras intérêt à battre. Et évite que ce soit le contraire. C'est à peu près tout ce que je peux t'apprendre en tant qu'expert. À toi maintenant, Caribou, vise la médaille et promets-nous un avenir radieux. Désolé. Quoi, un autre moi et je n'étais pas pêcheur, tu l'as vraiment rencontré? Tu es sérieux? Ça me fait rêver. Un autre moi vivant, une autre vie.
Mais en vrai, merci Caribou. Ça m'a fait du bien d'en parler. Tu connais le rock aux lézards au sud-ouest du village? J'ai entendu dire qu'on y avait parfois vu une Mama Komodo. J'ai beau répéter à Kiki qu'elle ne doit pas jouer là-bas. Crois-tu qu'elle m'écoute? Enfin, imagine que c'est pareil pour tous les enfants. Caribou, tu étais... J'étais mort d'inquiétude, tout... D'un coup, tu as disparu de la plage. Un sacré tour de magie. Ne refais plus jamais ça. Une fois, ça m'a suffi. C'est tout. Ah, c'est toi, Caribou. Il fait beau, hein? Je me reposais juste un peu les yeux. D'ailleurs, Caribou, tu aimes la mer? Oui. Vraiment, c'est vrai que la mer est enivrante. Mais Caribou ne fait jamais confiance à la mer. La plupart du temps, c'est une étendue vaste et profonde, pleine de force et d'énergie, tout en étant douce et légère. Mais quand elle se met en colère, elle peut se transformer en monstre, terrifiant qui emporte tout. Ferme les yeux et écoute bien. Entends-tu les cris des innombrables hommes qui ont été avalés par la mer? Le secret que te murmure la mer? Je te conseille vivement d'apprendre à sentir la mer. Enfin, si tu préfères éviter de rejoindre les malheureux qui sont déjà au fond. La 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 la. Alors demande-toi ce qui compte vraiment et dis-lui ce que tu ressens. Compris? Demain est un autre jour, qui sait ce qui pourrait arriver. D'accord, maman, je prends des notes. Caribou a récupéré les économies pas très bien cachées de Caribou. Ah, tiens. Voulez-vous vous reposer? Ouais, c'est gratuit, pourquoi pas? Caribou, comment vas-tu? Peux-tu te joindre à nous pour mon cours? Le sujet du jour est le suivant, les fondamentaux de l'attaque et de la maîtrise des éléments. D'accord? Super, tu es vraiment devenu un homme. Eh bien, commençons alors. Tu es bien trop doué pour mon cours. Continue comme ça, mon garçon. Ah. Salut, Caribou, alors Léna est toujours fâchée contre toi? Toi, t'es qui, toi? Je suis un peu occupé là, une prochaine fois peut-être. Merde, je suis pris. C'est vrai que le temps passe vite. Le chef Radius vit déjà ici depuis 4 ans. C'est un homme si brillant et si enjoué. Tout le monde l'adore dans le village. Si seulement il pouvait rester pour toujours. Tu veux sauvegarder ce que tu as fait jusqu'à la prochaine voie du sort. Et au menu, sélectionne ensuite la sauvegarde que tu veux et suis les instructions. C'est simple. Je te conseille d'aller en chercher une autre. J'en ai pour le moment ici. Ah, au fait, si tu te rends sur la carte du monde, tu pourras sauvegarder sans passer par la voie du sort. Si tu écoutes bien la voie du sort, de dire à plein de choses, elle expliquera ce que tu devrais faire. Et quand tu t'entends plus rien, ben imagine que ça veut dire que t'as pas de futur. Quand c'est comme ça, le mieux à faire, c'est de rentrer chez soi et dormir. On peut rien contre le sort. C'est exactement ça, Caribou. La voilà, la voix du sort. Elle enregistre tout, le positif comme le négatif. Dès que tu as croisé une, n'oublie pas d'enregistrer tout ce que tu as fait jusqu'à là. Imagine à quel point ce serait terrible de perdre ton passé.
Tu ne pourrais rien y faire. Ah, c'est toi, Caribou. Je crois que le chef est dehors. Il a dit qu'il allait enseigner des techniques d'autodéfense. Il n'est peut-être plus tout jeune, mais il est toujours vaillant. Vous avez intérêt à être sage. Les enfants, oui, donneraient une bonne leçon. Nous avons fait le chemin jusqu'ici à la recherche d'un trésor légendaire, mais nous finançons à zéro. Une fois que j'aurai nettoyé cette zone, je devrais me charger de la pelouse. Il faut bien faire quelque chose pour couvrir nos dépenses. Si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais tenté de convaincre Sir Thomas de chercher un trésor sous le continent des Énans. T'es qui, toi? Je suis Thomas, 14e du Nord, mais les gens accolent normalement le grand explorateur à mon prénom. Thomas, le grand explorateur, j'étais en train de chercher un trésor, j'ai un sixième sens, voyez-vous? Mais sauf que non, je ne chardonnais pas. J'étais en train de chercher un trésor. Ah, d'accord. J'étais certain que tu cherchais un... que tu jardinais. Qu'est-ce qu'il y avait en bout là? Caribou, Elena, pour toujours. J'avais oublié que c'était ça. Le marais de l'hydre. On va sauvegarder. Tiens, tiens, Caribou, les anciens du village ne t'ont pas mis en garde contre cet endroit. Tu as des choses à faire ici? Je ne me demanderai pas laquelle à la tête, je devine que ça soit être la plus haute importance. Allez alors, je suis sûr que vous saurez vous débrouiller tous les trois. Avant d'entrer, laisse-moi vous donner un conseil. Les marais sont un véritable labyrinthe truffé de monstres venimeux, soyez prêts. Qu'est-ce que tu fous à rêvasser, quoi? Je déteste les coins humides et froids. C'est pas comme si on avait le temps de se poser pour faire une petite barbecue, quoi. Et vous trouvez un os. Soit.
Ah, il tape plus à cette heure. Pour revenir. Allez, un petit combat. Pour descendre là. Il n'y a pas grand place pour passer. Hein. Para papa. Halte humain, vous n'irez pas plus loin. L'hydre est la gardienne de cette forêt, Elro. Si elle disparaît, la forêt mourra. Vous souhaitez malgré tout continuer, faudra nous passer dessus. Préparez-vous à vous battre, saleté d'humain! Tiens, c'est ça.
Snake, tu es deux. Tu veux quelque chose qui peut protéger contre la foudre? Rien. Bon, j'améliore mes tactiques, parce que là, ça va pas du tout.
Il faudrait que je le frappe avec du verre.
encore mieux. Là. Là où t'es fatigué pis j'ai pas été dessus. Ah, ciboire. Oh, je l'avais presque! Oh, que je l'avais presque! Oh, que j'ai passé proche! Des éléments. Il faudrait plus de pastilles. Ba-da-ba-ba! Il est déjà mort. Je savais pas qu'il était pas rempli.
Mais c'est beau, il y a un truc énorme qui fonce sur nous. C'est quoi ça? Ce coin est vraiment bizarre. Vous avez vu la créature étrange qui est apparue au loin? Parole de Biba, il n'y a pas de place pour les humains ici. Allez-vous-en. Un point, c'est tout. C'est mon kiki. Ah, il y a un deuxième. J'appelle un autre ami, voyons. Plus d'amis disponibles, plus d'amis disponibles. Hein.
deux heures, je me bagarre le même. Thank you.
Hein? Au pire. Hein? Bon, yes! Parole de Biba, je suis désolé, tenez, je vous donne ça, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Cette flûte est transmise de génération en génération chez les Bibas et les magies paroles de Biba. Ça fait venir l'aéro. L'aéroptère, Salamadou, parole de Biba. C'est mieux de l'utiliser dans un grand espace dégagé. À bientôt, parole de Biba. Flûte de Bibas. Et si tu jouais de la flûte ici, Caribou?
pas le rejoindre. Lève-toi, ma tante. Qui sont endormis. Mais quand t'es pas dégagé, ça serait que ça, quoi. Caribou, et si tu jouais de la flûte? Voilà l'aéroptère. C'est pas si gros finalement. Et vous aussi, tu lui filais à manger. Trois.
et 58. Il est mort. Je l'ai eu. Juste de la chance. Ça menace de s'effondrer. Caribou, il faudrait mieux éviter de passer au milieu d'Amigo.
J'irai pas loin, les humains.
Wow, yes! GG, Caribou. Ils sont trop puissants. Sommes-nous incapables de les arrêter? L'île doit être un peu plus loin. Quoi? Allons-y, Caribou. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!